Je suis ravie qu'après des tentatives, finalement, de ne pas mettre à la discussion cet article, parce que la vérité, c'est que vous ne voulez pas assumer vos votes et vous ne voulez pas affiner le refus de cet article sur les tarifs réglementés, parce que vous savez qu'on en a besoin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, votre bouclier tarifaire, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que notamment les plus modestes vont quand même avoir une augmentation de leurs factures et que les plus riches pourront continuer à surconsommer et que ça, c'est pris en charge par le bouclier tarifaire. Il ne fonctionne pas parce que les collectivités territoriales supportent une augmentation des prix de l'énergie qui font que parfois elles ne peuvent pas remplir à bien leur mission. Vous le savez très bien, moi dans ma circonscription, aucun maire n'est aidé. Ils portent seuls l'augmentation des tarifs de l'énergie. Et la question, c'est le fonctionnement des cantines, c'est les gymnases, c'est aujourd'hui, c'est la manière de vivre de nos concitoyens. Et c'est la même chose, c'est les petits artisans, c'est les commerçants qui aujourd'hui sont pris à la gorge par l'augmentation des coûts de l'énergie. C'est ça la réalité. Vous n'assumez pas vos votes, vous vous cachez derrière quelque chose de réglementaire alors qu'en fait la vérité elle est politique. Allons au vote, assumez vos votes devant les Français, remettez les tarifs réglementés.